Hailed as poetic by the Daily Telegraph, praised for her Chopin interpretation, which mixed excitement with eloquence by the gramophone Chopin Express, French pianist Hélène Tisman first broke out onto the international music scene as a laureate of the 16th International Chopin Piano Competition in Warsaw. In addition to a full calendar of solo recitals and ensemble performances, she has released two highly praised recordings of Chopin. When you're playing, you're not singing in one hand. I think you don't need to be able to sing when you're a musician. On another hand, it's extremely intense. You are just living everything. You are feeling everything. And you have the extreme conscience of each present moment. You are in the present moment. It's very difficult because you are also a bit like a listener, in the passive way that you are listening everything what just happened, and at the same time you are like a conductor. You know what is going to happen, but at the same time as you are just doing everything one after another, like a high wire man who will be just walking from one point to another, but actually each feat is important. You have to explore all the possibilities of sound with Chopin, because I spent so much time just working on the sounds and all the graduations, all the possibilities from one note, all the possible colors. Chopin was very much admiring Delacroix, and he wanted to bring the colors, what Delacroix did on painting, in music. I really believe, especially when you listen to Chopin, that you don't listen, you see. He used to say that's the blue note, when you find the right modulations, the colors, that going from one color to another color. He spent like so much time just writing in details to have the precise score. He's turning it so much to the extreme limit and going from one to another, that at the end, when you have major chords, it sounds so melancholic. It can sound really sad. And when you have minor works, sometimes it's even joyful. It's amazing. But when you reach the end of one of the pieces, one of the mazurkas I was playing recently, and which is in my recording, you don't know anymore. You don't know anymore where you are.
are just focused on the result of what you want to bring on stage, and I think you're never really satisfied, or you are maybe when it's really good, you are near being satisfied. That's already a great joy. And that's for the result that you want to make it. Maybe we're very naive as musicians, and if you don't believe that you can change a little bit the world just with one piece of music, you don't do that. I think it's something you want to make the time stop for a while, and when you meet people after the concert, that are really, that were moved, and tells you how important it was, I think there is not better reason for keeping going. What is democracy in its purest sense? What is demos? What is politics? Does politics exist outside of the state? These are the questions raised in Democracy, a new work by choreographer Maud Le Pladec, inspired by political philosopher Miguel Abensur. To the powerful and raw sound of Darkful Ride by Julia Wolf, dancers gesture toward political engagement. However, as the choreographer acknowledges, demos must move beyond the stage and into the street. J'ai décidé de travailler autour de Darkful Ride, donc une composition de Julia Wolf qu'elle a créée dans les années 90. J'avais déjà décidé finalement pour ce deuxième volet, donc de la trilogie autour de Bangin' Can All Stars, d'aborder le thème de la démocratie, et de la démocratie en plus telle que l'entend Miguel Abensur dans son essai. Et j'avais besoin finalement d'une forme d'extension métaphorique, ou en tout cas d'un...
d'une musique qui puisse supporter l'idée que j'avais envie on va dire, de mettre en avant dans ce projet. Et j'ai été particulièrement attirée par Darkful Ride pour son aspect direct, cinglant, aussi pour la configuration, je dirais, scénographique que proposait ce morceau, puisque c'est quatre musiciens, mais c'est surtout quatre batteries, c'est un quatuor pour batterie, et qui, de fait, proposait une forme d'arsenal musical comme ça, qui pouvait s'apparenter à l'idée de, on va dire, de la machine ou d'une autorité aussi musicale. Je pense que déjà la démocratie telle que l'entend Miguel Abensur, c'est avant tout l'idée du démos, c'est-à-dire revenir finalement à une conception, une définition philosophique et au-delà même du politique, mais une définition plus pure et plus philosophique, pardon, du terme. Et ce qui veut dire quelque part, et c'est pour ça aussi que son essai s'appelle « La démocratie contre l'État », c'est-à-dire, ou ce qu'il voudrait dire par là, c'est aussi la démocratie en dehors de l'État. Ce qui n'est pas forcément quelque chose qui nous est évident comme ça, puisque lorsqu'on pose la question même à quelqu'un, qu'est-ce que c'est que la démocratie pour toi ? Il dit, c'est le système politique dans lequel je vis. Donc quelque part, il propose une ouverture, hein, puisqu'il ne... et c'est aussi un peu l'intention de cette pièce, l'idée c'est pas de donner une autre définition précise, cadrée et fermée de la démocratie, puisque c'est tout le contraire finalement que cet essai et aussi que cette pièce propose, mais plutôt de se poser les questions de qu'est-ce que c'est que la démocratie. Alors, dans son sens large, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? Et pour ça, souvent, on revient à l'étymologie d'un mot, c'est-à-dire la racine, comment est-ce que c'est né ? Le démos, donc la démocratie, vient du démos, donc de l'être ensemble aussi. Et le démos contre l'État ou en dehors de l'État, qu'est-ce que ça voudrait dire, finalement ? Miguel Abensur, en fait, dans La démocratie contre l'État, propose une utopie. Hein, c'est-à-dire qu'il redonne aussi, il décide, pardon, de proposer une définition utopique de la démocratie. Donc l'idée, encore une fois, et c'est un peu compliqué parce que souvent, on veut des réponses, surtout en ce qui concerne la démocratie. Moi, je le sais par expérience, pour avoir traité de ce sujet pendant plus d'un an et demi, même moi, on veut des réponses, ce qui veut dire des images. Voilà. Oui, mais c'est quoi la démocratie ? Mais concrètement, comment est-ce qu'on fait ? Concrètement, on ne fait pas. On ne propose pas un modèle, je dirais,
on propose pas une autre politique. On propose, et je pense qu'en fait, par rapport à Occupy, c'est ça, la démocratie, si on reprend en français ce que vous dites en anglais, c'est la démocratie ressemble à ce que vous voyez là, c'est ça en gros. Hein, voilà. Oui, parce que la démocratie, telle que le démos, donc la démocratie, dans son sens pur, flirte avec l'idée de confrontation, flirte avec aussi l'idée d'anarchie, flirte avec l'idée de chaos, et qui peut paraître comme une forme de contresens, puisqu'on a plutôt l'idée... on a plutôt en tête que la démocratie doit faire une forme d'étalonnage. Tout le monde, puisque évidemment tout le monde doit s'y retrouver, donc on doit trouver un système plutôt d'équilibre. Sauf que cet équilibre, il n'est pas 50-50. Il peut être 75-25, à des moments 80-20, à des moments 50-50. Donc ça bouge. Donc je pense qu'il y a l'idée, et c'est une utopie parce que à une échelle. Plus réduite, c'est possible. Et à une échelle, je dirais, d'un pays, c'est là que ça devient compliqué. Donc, ce que propose Occupy, c'est exactement ce que je disais il y a 5 minutes, c'est qu'il propose un contre-modèle. Et qui, effectivement, doit être étudié ou vu par les politiques, non pas comme un système de résistance juste pour résister, mais comme un système, je dirais, presque avant-gardiste, c'est-à-dire comme une utopie. Donc, quelque chose vers lequel on doit tendre. Voilà. Et c'est ça en fait, l'utopie c'est une intention. Une utopie, à partir du moment où elle s'incarne dans la réalité, c'est plus une utopie, ça n'existe plus en tant que tel. C'est un ailleurs, l'utopia, hein, même au sens étymologique, c'est ça, ça veut dire être ailleurs. Voilà. Donc être en dehors aussi. Et donc si c'est récupéré par le système, je pense qu'il y a une autre utopie qui va devoir arriver, ou en tout cas un autre contre-modèle qui doit... advenir. Et c'est comme ça que ça marche. Donc ça veut dire que on est en mouvement. Et en mouvement, c'est-à-dire que la pensée est en mouvement. C'est-à-dire qu'on doit penser toujours. Et c'est ça en fait que ça veut dire. Il faut penser le monde. The Tunisian uprisings of 2010 and 2011 were the rallying cry for a generation of North African and Middle Eastern youth fighting for their future. In this moment, political cartoonist Nadia Riari from Tunisia and Khalid Albay, a Sudanese refugee living in Qatar, found a common cause. Their enemy, the oppressor. Their weapon, the pen. Their terrain, social networks. De toute manière, moi, dès le départ, quand j'ai commencé à dessiner bien avant, mais c'était vraiment dans le cadre familial, intime. Quand je dessinais, c'était pour faire rire les gens que j'aime. Il y a des sujets brûlants, clairement, mais si on ne les aborde pas, quel intérêt? On ne va pas parler de banalité, du temps qui fait. Après, tout dépend de la manière d'aborder. On peut très bien aborder des sujets très délicats, très difficiles, mais... sans pour autant être dans l'attaque frontale bête et méchante, quoi. Même si des fois ça fait du bien. I started doing cartoons, I think, really when I was a kid. You know, I love comics. I mean, as you can see, so I wanted to do something with art. I knew that. During like 2008, 2007, I started drawing and I started trying to publish. You know, so I went to, you know, newspapers everywhere. You know, in Egypt and Sudan and Doha, everywhere. And nobody wanted to publish my cartoons because basically you have to be published to be published, you know? And everybody's like, you know, this is too strong, or we don't know, or, you know. So it was a lot of things had to do with censorship. I decided to go online. I was like, this is my only solution. It's the only space where I can actually have my freedom to do what I want to do, to say what I want to say. So I'm going to go online, just like a lot of people did around that time. La liberté d'expression, c'est dangereux, hein, pour un pouvoir, pour une dictature ou pour une tyrannie, c'est très dangereux parce qu'on met le doigt là où ça fait mal, on montre du doigt tous les dysfonctionnements d'un système qui opprime les gens, quoi. Après, moi, le dessin, moi, je sais que le dessin fonctionne parce que, voilà, il est diffusé sur les réseaux sociaux et je sais que, voilà, on est dans l'instantané.
On est dans, voilà, un dessin, je le fais quand il se passe quelque chose. Si je le fais 4 heures après, c'est déjà dépassé. Il s'est passé d'autres choses entre-temps, donc il n'a plus de valeur. Donc on est vraiment dans l'instantané, dans la rapidité. Et puis un dessin, c'est un peu comme un coup de poing. Enfin, à part, bon, s'il est très bavard, il faut prendre le temps de le lire, etc. Et tout, mais un dessin, ça passe très, très vite. On comprend très rapidement. I remember I was in my office and I was reading the news. I was reading Al Jazeera and it said that revolts, there's a lot of protests in Tunis because of a young man who burned himself. And there's a lot of people who took to the streets. And we really didn't hear that word for a really long time. People took to the streets, you know. So everybody got really excited. A lot of people got really excited. I remember reading the comments on the article. Everybody was like, yes, this is the start of something big. I took a camera and I took a picture of my hand giving the finger. And I photoshopped it to make it into flags. So the finger was the Tunisian flag. And then the rest was Egypt, Libya, Sudan, and Algeria. And it was called The Rest Will Follow. And I posted it. And it just spread like fire. It just went viral on that day. 43% des Tunisiens ont moins de 25 ans. Donc on est une population très très jeune. Et ces jeunes-là, quand ils voient les gens qui sont au pouvoir ou même dans l'opposition, ils me disent, on ne voit que des cheveux blancs. Ils me disent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de ma vie, ces gens-là? Ils me disent, ils ne peuvent même pas comprendre ce que je dis. Les mots que j'emploie, le langage que j'emploie, ils ne le comprennent même pas. Et qu'est-ce qu'ils peuvent comprendre de mes problèmes? We're all underprivileged, overeducated, jobless, and we were ruled by people who were in power for the last 20 years or 30 years, and nothing has changed. There is a higher class, there is a lower class, and that's it. So we all feel exactly the same way. Aujourd'hui, 3 ans après, on a un décret gouvernemental qui crée l'ATT. Après l'ATI, l'ATT, qui est aussi une agence qui va réguler Internet. Alors le prétexte, évidemment, c'est pour nous sécuriser, nous, pauvres citoyens, des vilains et méchants terroristes qui sont sur Internet. Donc c'est pour notre sécurité. Ce qui est clairement compréhensible, de toute manière, c'est la valeur d'exemple. C'est pour faire peur. On va utiliser une cause ou on va utiliser un symbole pour faire peur aux autres, pour remettre ce flic qu'on avait dans la tête. Pour qu'on retombe dans l'autocensure, pour qu'il n'ait même plus à se casser la tête à nous censurer. Parce que Ben Ali, il y était arrivé. Il n'avait plus besoin de nous faire taire, on se taisait tout seul. Being a cartoonist from the region makes you more creative because we have to work around things. If you want to talk about the president, we don't talk about the president. We talk about, you know, a cat talking about the president, you know? Or, you know, like we are more creative than other cartoonists. And this is, and we click, definitely. You know, when we meet other Arab cartoonists, you know, when I met Nadia, it's the same feeling. It's, you know, like, you just shake your head. You're like, yeah, I know what you're going through, you know. I know it's hard, you know. And you connect in so many different levels. You know, how hard it is to publish, what you can publish and what you can't publish. You know, how, the dangers that you go through, you know, for publishing a joke, you know. Maintenant, la différence, c'est que les gens ont parlé, ont découvert ce que c'était que la liberté d'expression du jour au lendemain. Et c'est vrai que la liberté d'expression, c'est un des seuls vrais, une des seules victoires tangibles, palpables de cette révolution, parce que tout le monde s'exprime, pas seulement les journalistes ou les intellectuels ou les artistes, c'est tous les Tunisiens. Il suffit d'aller dans un café, il suffit d'aller dans la rue, de partout, discuter avec les gens. Tout le monde parle de politique, tout le monde parle ouvertement et affirme ouvertement ses prises de position politique, chose qu'on ne faisait pas avant, ou alors en chuchotant, parce qu'on était très parano. Donc ça, c'est le point positif. Ils ne vont pas faire taire tout le monde, ce n'est pas possible. À moins de mettre tout le monde en prison, à moins que la Tunisie redevienne une prison à ciel ouvert. Tunis started something, you know, that will go on. Something that did change the course of history. I hate it when people say that the Arab Spring didn't work. It did work. People are not scared to say what they want anymore. Moi, personnellement, moi, qu'est-ce que je suis? Moi, je me sens comme une citoyenne tunisienne. Je suis née ici, j'ai vécu ma vie ici.
Et quand je vois ce qui se passe, bah, ça me donne envie de gerber. Voilà. Et quand j'ai envie de gerber, je dessine. C'est tout. C'est ma seule forme sincère de m'exprimer et de me dire ça, ça va pas, ça, ça me convient pas. Moi, le rêve que j'ai de demain, bah, c'est... J'ai envie de garder le même rêve que j'avais lors de la Révolution. J'ai pas envie de perdre ces rêves-là, quoi. J'ai pas envie de les oublier. Not everybody is a soldier, you know. Not everybody can fight with, or wants to fight with, like that, with guns and violence. This is how I fight. I draw.